Guantanamo, ma ville de Guantanamo, Guantanamo, ma ville de Guantanamo. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute, il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il nous parlait de sa ville au Guantanamo, ma ville de Guantanamo. 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 Donc après ce court extrait de la chanson de Joe Dassin, Guantanamo, alors c'est pas la chanson de Joe Dassin, c'est une reprise de Josetto Fernandez. Et bien en tout cas, après ce court extrait, et bien on va évoquer ensemble l'accompagnement. Alors comme toujours sur ces vidéos, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer une chanson et un seul outil d'accompagnement. Sur ma version chantée, il y avait deux rythmiques, et vous en retrouverez une troisième sur la version club de chansons et guitare. Mais pour débuter avec ce titre, eh bien on va voir une rythmique qui va fonctionner tout le long. Et c'est déjà pas mal. Alors la rythmique que je vous propose pour accompagner l'ensemble de ce titre, elle fait 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et Guantanamo, ma ville de Guantanamo, Guantanamo, ma ville de Guantanamo. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute, il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il nous parlait de sa ville, et Guantanamo. Voilà, 1 et 2 et 4 et, j'ai fait ça tout le long et comme vous l'avez entendu, cela fonctionne très très bien. Donc on va travailler en bruitage cette rythmique, je vous l'explique, on la voit ensemble, en bruitage, quelques accords et vous aurez pour votre prochaine veillée un super titre que tout le monde va chanter avec vous, ça c'est sûr. Donc la rythmique va faire 1 et 2 et 4 et, 1 et 2 et 4 et. On prend vraiment quasiment toutes les cordes à chaque fois. 1 et 2 et 4 et, sauf le et 4 et que l'on fait plutôt en bas pour changer un peu l'esprit. 1 et 2 et 4 et. On est parti en bruitage lentement ensemble. 3, 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1. 1 et 2 et 4 et 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 1 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1. À travailler lentement et tranquillement pour avoir le geste en main, si je peux dire ça comme ça. Quand vous l'aurez en main, idéalement, placez sur le temps 1 un muting, un blocage de cordes. 1 et 2. Donc l'idée sur le temps 1, ça va être de muter légèrement les cordes pour amener cet esprit un peu chaloupé latino. On va dire ça comme ça. Donc 1 et 2 et 4 et avec idéalement un muting au temps 1, notamment au temps 1. Vous pouvez en refaire un peu derrière, mais notamment au temps 1. On va refaire un atelier, on va faire sol, la, sol, la.
Pourquoi? Parce que sur l'ensemble de ces accords, si je prends Guantanamera, quand vous allez regarder la tablature, pour faire encore plus clair, quand vous allez regarder sur la tablature sur chanson et guitare, vous avez indiqué sol, do, la, do. C'est quand vous allez voir deux, en fait, il faut considérer qu'on fait l'ensemble de la rythmique sur l'accord. On va dire que ça va être une mesure complète dans le sens où il y a l'ensemble de la rythmique. Par contre, lorsqu'il y a Ré, Mi mineur, Guantanamera, un peu plus loin, en fait, il faut voir l'histoire en demi-mesure. Donc, on va voir les deux situations. Première situation, mesure complète. Autrement dit, l'ensemble de la rythmique sur un seul accord. Sol, La. C'est ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, on évoquera le cas particulier du Ré, Mi mineur. Donc, c'est parti sur l'atelier. Sol, La. Une rythmique par mesure. Par accord. Une rythmique par accord. Donc, ça va nous faire 1 et 2 et 4 et La et 2 et 4 et Sol. Et idéalement, placer un meeting sur le temps. On est parti ensemble, Sol, La. 3, 4 et 1 et 2. Donc ça, c'est le premier atelier à tenir. On a un accord et on fait l'ensemble de la rythmique sur l'accord. La deuxième chose qu'il va falloir maîtriser, c'est qu'en fait, comme on fait 1 et 2 et 4 et, le 3, il a disparu. 1 et 2 et 4 et. Je n'ai pas dit 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 4 et. Le 3 a disparu. Or, si on prend le cas de la durée mi mineur, c'est dans cette situation-là que, enfin, faut le voir un peu en demi-mesure. Je ne vais pas vous embêter avec une signature de type 2-4 et blablabla, mais globalement, la rythmique que je viens de vous proposer, eh bien, il faut placer les deux accords, le Ré et le Mi mineur, au sein de cette rythmique. Comme le 3 a disparu, si je coupais en deux, bah, je sais plus où est la milieu. 1 et 2 et 3, ah, tout ça va, la salle 3, c'est mon milieu, sauf que je dis 1 et 2 et 4 et. Et bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va placer l'accord de Mi mineur sur la remontée. 1 et 2 et. Et sur le et, quand je remonte là, et bien en fait, je vais placer mon Mi mineur. 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 2. Donc, on anticipe finalement le changement d'accord qui se fait, je dirais, logiquement, traditionnellement sur le temps 3. Et bien pour une fois, on va l'anticiper et le faire sur l'accroche du temps 2. 1 et 2 et c'est sur ce et que l'on change en mi mineur. Je vous le montre une dernière fois et on est parti ensemble. Donc l'idée va être de faire sur le Ré 1 et 2 et sur le E en remontant on passe au mi mineur et 4 et on suivra avec un La, avec une mesure complète, en tout cas une rythmique complète. 1 et 2 et 4 et. Donc 1 et 2 et 4 et La. Tranquillement ensemble. 3, 4 et 1 et 2. Toujours la même rythmique, mais donc avec une situation différente, et en tout cas
un petit peu plus technique dans le sens où il va falloir faire ce changement d'accord sur la remontée du temps 2, 1 et 2 et c'est là qu'on change d'accord. Donc, bah, idéalement, on s'entraîne déjà avec sa main droite pour qu'elle fasse 1 et 2 et 4 et une fois que la main droite est bien en place, main droite si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, bien sûr, main gauche, je ne vous oublie pas, vous les gauchers, c'est juste un abus de langage. Donc, avec la main qui fait les rythmiques, 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et. Une fois que ça c'est en place, on s'entraîne sur des mesures complètes, en tout cas une rythmique par accord. Et puis on a cette spécificité avec le 1 et 2 et où il y a un changement avec le mi mineur. Une fois que vous avez ça, eh bien vous avez le titre dans son ensemble. N'oubliez pas cette notion de muting, blocage des cordes. A minima sur le temps 1, ça le fait. Si vous pouvez en rajouter sur le temps 3, enfin pas le temps 3, mais juste après le temps 3, en fait, sur la croche du temps 3, eh bien, ça peut être intéressant également. Donc, voilà, première chose, on pense à faire un muting sur le temps 1, et puis après, à la sensation, à l'expression, eh bien, vous pouvez aussi rajouter des étouffements de cordes au sein de la rythmique complète. Eh bien voilà pour ce très beau titre, très sympa et surtout il a un avantage génial, c'est que quand vous faites cette chanson en veillée, il y a plein de potes qui chantent avec vous. Et ça c'est cool. À très bientôt, bonne suite et on se retrouve sur Chanson Guitare sans doute et puis également sur cette chaîne pour un autre titre avec toujours le même esprit, une chanson, un outil d'accompagnement. C'est pour débuter. À très bientôt, bye bye, salut.